J'ai eu pas mal de questions de savoir comment que je faisais pour tomber bon à chaque fois que je coupais mes plaques de placo, tu vois, au niveau des fenêtres. Tu vois, là, ça va être compliqué de rentrer l'isolant entre les deux montants. Mais j'ai la solution. On est sur un chantier de rénovation, ce qui est totalement différent de la construction. Et c'est censé être un garde-corps ou une rambarde. Donc, une rambarde qui bouge n'est plus une rambarde. Oui, c'est logique. Je vais essayer d'aller dessouder le tube ici. Donc, let's go, je pense que je vais bien m'amuser. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais pas te mentir, c'est pas trop la forme. Hein. Je suis une nouvelle fois contaminé par la maladie. Je tiens à remercier mon frère Tony pour sa générosité et son partage. T'aurais pu te la garder, hein, ta crève. Enfoiré. Comme t'as vu, j'ai attaqué les bandages joints dans le WC. Donc là, j'en suis juste à la première couche, à l'encollage. J'ai juste chargé 2-3 bandes. Le truc, c'est que ça caille pas mal et donc, du coup, ça met pas mal de temps à sécher. Donc, je ne sais pas si dans cette vidéo, je vais pouvoir poser mes deux dernières plaques dans le WC. On verra bien. Donc, en attendant que tout ça sèche, je vais continuer cette zone-là. Terminer de plaquer cette cloison. Mais avant d'attaquer tout ça, je te propose de passer directement au tirage au sort du gagnant du jeu concours. À vous les studios. J'ai eu pas mal de questions de savoir comment que je faisais pour tomber bon à chaque fois que je coupais mes plaques de placo, tu vois, au niveau des fenêtres. Là, sur celle-ci, c'était en deux plaques. Donc, en deux plaques, c'est très simple. Je mets la plaque, j'ai l'espace pour passer ma main avec mon mètre et mesurer. Je reporte la côte à l'extérieur. Je positionne mon laser sur ma troisième main. Je reporte le trait au stylo. Donc, je fais ça pour les traits horizontaux et les traits verticaux. Et quand c'est une ouverture où j'ai une plaque qui est entière, et ben avant de poser cette plaque, je fais des repères avec un stylo sur la plaque la plus proche pour tracer mes hauteurs et au niveau du plafond pour tracer ma largeur. Du coup, là, c'est pareil, je pose ma plaque et après, je positionne mon laser et je trace tous mes traits et généralement, ça tombe nickel. Sachant que je mets une petite marge de 1 à 2 mm, tu vois, quand je viens couper avec ma scie sauteuse et après, bah, je passe un coup de rabot et du coup, c'est nickel. Donc, tu vois, rien de bien compliqué. We'll be right back.
je vais te montrer un truc. Je m'étais planté quand j'avais fait le calpinage, tu sais, pour placer mes plaques. Je m'étais planté au niveau de ces deux montants-là. Je les ai pas décalés au bon endroit. Je sais pas ce que j'ai branlé ce jour-là. Donc du coup, pour éviter de les retirer, sachant qu'il y a déjà ma plaque de vissée derrière, j'en ai rajouté un troisième. Et donc du coup, bah là c'est bon. Mes deux plaques au niveau de la jointure tombent bien sur le montant. Vu que là, on est sur une cloison, tu dois décaler tes plaques de chaque côté. C'est-à-dire que tes joints ne doivent pas être au même niveau. J'essaie de me débrouiller comme je peux, sachant que j'évite un maximum que mon joint se retrouve aligné avec l'angle de mon bloc porte ici. Tu vois, là le joint va être au milieu de l'ouverture. Ici, il va être à ce niveau, donc il n'est pas trop dans l'angle. Donc normalement, ça devrait pas fissurer. Et au niveau de la verrière, vu que ça va être un châssis fixe, ben, y aura pas de problème. Tu vois, là, ça va être compliqué de rentrer l'isolant entre les deux montants. Mais j'ai la solution. Au lieu de mettre de la laine de verre entre ces deux montants, je vais envoyer de la mousse expansive et ça fera exactement la même chose. Je viens également de me rendre compte d'une autre connerie, je pense qui est liée à la première, c'est-à-dire que ben toutes mes plaques, elles sont décalées. Je sais pas ce que j'ai foutu, je sais pas, franchement. Après, je vais pas me plaindre. Depuis le début du chantier, ça doit être la première connerie que je fais. Et oui, je suis comme tout le monde, hein, je fais des conneries. Mais moi, je te le dis et je te les montre. Voilà. Comme ça, tu vois, on est pareil. On est pareil. Tu fais des conneries, je fais des conneries. Donc, ça, je te l'expliquerai quand j'aurai posé la dernière plaque. Mais bon, tu verras, ça n'a pas vraiment d'incidence parce que j'avais anticipé une autre chose également. Mais je t'expliquerai quand la plaque sera posée. Regarde ma connerie. Je me retrouve avec un jour d'un centimètre. Parce que
ma plaque est trop courte. Ma plaque fait 120 et vu que je me suis planté dans mon calepinage, et ben voilà, je me retrouve avec un jour de 1 cm. Cette connerie est liée à la première. Je pense qu'à un moment donné, quand j'ai placé mes montants, j'ai dû en placer un pas au bon endroit, qui a fait que quand j'ai placé les suivants, automatiquement, ça me les a décalés et ça m'a faussé les cotes. Donc voilà. Mais ce n'est pas bien grave, parce que j'avais anticipé. L'anticipation. Ici, on est sur un chantier de rénovation, ce qui est totalement différent de la construction. Parce que dans la construction, c'est toi qui fais tes plans en amont, ou un architecte, peu importe. Donc, tu peux absolument tout déterminer. Les ouvertures de tes fenêtres, si c'est une maison avec plusieurs niveaux comme la mienne, c'est toi qui détermine l'emplacement de tes escaliers et de tes trémies d'escalier. Donc, tu peux quand même anticiper pas mal de choses, ce qui n'est pas le cas dans la rénovation où tu dois t'adapter à l'existant. Et là, comme tu vois, la cage d'escalier, je peux pas la changer de place, hein. Tu te doutes bien, sachant que c'est un escalier en béton armé. Donc, automatiquement, cette cloison, j'étais obligé de l'aligner par rapport à ma trémie de ma cage d'escalier. Et donc, du coup, si tu regardes bien, tu vois, à ce niveau-là, au niveau de l'ouverture du mur porteur, il me manque une joue en placo. Le truc, c'est que quand je vais rajouter la joue, je vais avoir un petit décroché de l'épaisseur de la plaque de placo entre cette cloison et la joue de l'ouverture. Et du coup, ça va faire dégueulasse. Mais ça, je l'avais anticipé, comme je t'ai dit. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais poser une double peau. Qu'est-ce qu'une double peau? Tu rajoutes une plaque de placo par-dessus tes plaques qui sont déjà posées. Sachant que quand tu fais ça, tu dois décaler par rapport à tes joints, comme pour les cloisons. Donc là, tu vois, mon joint est ici. Quand je vais poser la deuxième plaque par-dessus, je vais partir d'ici et mon joint sera au milieu de l'ouverture. Et du coup, ce sera nickel. Je n'aurai pas de décroché au niveau de l'ouverture et mon mur sera lisse. Donc voilà, le jour qu'il y a ici n'a pas d'importance. Et regarde, là, j'ai une chute de placo. Et du coup, plus de jour et c'est nickel. Après, tu vas peut-être me dire, ouais, mais t'aurais dû anticiper quand t'as fait l'ouverture de ton mur porteur. Je sais pas si t'as vu les épisodes précédents, quand je fais l'ouverture du mur porteur, etc., etc. Mais la maison, je l'ai cassée en deux étapes, parce que j'habite dedans. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Sachant que quand j'ai fait l'ouverture du mur porteur, cette partie-là n'était pas cassée. C'était en cloison brique. Et donc, il y avait un placard, et c'était difficile d'être au centimètre près pour l'alignement de l'ouverture de mon mur porteur. Donc voilà pourquoi j'ai un petit décalage. Mais comme je te dis, tu as toujours possibilité de rattraper et de t'adapter. Après, c'est ça, c'est la rénovation. Donc voilà. Pouh. J'ai une tronche moi aujourd'hui. Je suis au pic de la maladie, ça doit être pour ça. Allez, j'arrête de parler et on continue ça. Ça commence à ressembler au plan de base, hein. Verrière, porte en verre. Je te mets en fiche ici l'épisode 1 où il y a les plans. J'avais fait des plans en 3D sur Cozy Casa. Et moi, je trouve que ça y ressemble de plus en plus. On est pas mal, on est pas mal. Maintenant, avant de continuer de mettre mes derniers bouts de plaque au niveau de l'ouverture ici, à ce niveau-là, il va falloir que je monte un retour en placo pour fermer. Je vais pas laisser un vide, hein, tu vois, un enfant peut passer, tu passes ta jambe. Là, le garde-corps actuel, je vais garder l'encadrement de base, l'intérieur
tous les fers forgés, je vais les retirer parce que c'est pas du tout dans le style de déco que je vais faire dans cette maison. Je sais pas si toi tu vas bien t'en rendre compte, le tube d'ici n'est pas du tout de niveau, il part vers la droite. Et sachant que mon retour, lui, va être de niveau, et que moi je souhaite mettre des points de fixation à ce niveau dans le retour, parce que là, tu vois, quand je fais ça, il est juste scellé dans le béton, et donc du coup, il bouge. Et c'est censé être un garde-corps ou une rambarde. Donc une rambarde qui bouge n'est plus une rambarde. Et oui, c'est logique. Donc, dans un premier temps, je vais couper les fers forgés au niveau de cette zone-là. Je m'occupe pas d'ici parce que ça, je le ferai plus tard. Et je vais essayer d'aller dessouder le tube ici pour le redresser et le mettre de niveau. Comme ça, après, j'aurai juste à percer 2 ou 3 trous dans mon tube et le fixer dans mon retour en placo. Donc, let's go. Je pense que je vais bien m'amuser. Bon, ben nickel, le garde-corps est redressé, il est de niveau, et ben ça, je le terminerai plus tard. Du coup, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Chut. Tiens, regarde. Oh, regarde, il y a un oiseau. Ah ouais, où ça? Du coup, je te disais, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Je t'invite, comme d'habitude, à t'abonner à cette chaîne YouTube. Au moment où je te parle, il n'y a que 23% des gens qui regardent les vidéos qui sont abonnés. Donc, tu vois, c'est énorme l'écart entre les non-abonnés et les abonnés. Je t'invite aussi à me suivre sur mon Instagram. Sachant que sur Instagram, je spoil quand même pas mal parce que, tu sais, j'ai un mois d'avance par rapport aux vidéos qui sortent chaque week-end. Donc, si tu veux aller voir où j'en suis réellement. Moi, je te dis à dimanche prochain. Ciao! Non, mais il n'y a pas d'oiseau, hein. C'était une connerie, toi. Arrête de chercher comme un con. Après, arrête un peu. Après, on passe pour des cons. Oh, je mets les vidéos sur Internet, moi.